ce DU a été créé en 2014, il y a quelques années déjà. Et à l'origine, notre motivation pour développer ce projet, c'était de faire venir des étudiants étrangers et aussi de faire partir en même temps nos étudiants français. Et on s'est heurté à une réalité, c'est que la majorité des étudiants étrangers, évidemment, ne parlent pas français. Et c'est la raison pour laquelle nous avons eu l'idée de monter, avec la direction de l'IUT et en collaboration avec l'IAE de Limoges, ce programme international 100% en anglais. La particularité de ce programme, c'est d'offrir donc à des étudiants français et étrangers la possibilité de valider en une année une licence de gestion de l'IAE de Limoges, ainsi que un DU Business Management délivré par l'IUT de Limousin, c'est-à-dire que nos étudiants français et étrangers vont avoir une double diplomation. Le premier semestre se déroule ici à l'IUT de Limousin, avec des enseignements 100% en anglais. Après ce semestre, les étudiants français et étrangers participant à ce programme valident donc ce DU Business Management. Et ensuite, les étudiants partent pour un second semestre dans une université étrangère. Et la validation de ce second semestre va leur permettre d'avoir suffisamment de crédits pour valider ensuite la licence de gestion de l'IAE. J'ai choisi cette formation car celle-ci me permettait de m'ouvrir à l'international. Je voulais partir lors de mon S4 faire un stage à l'étranger. J'ai malheureusement pas eu cette opportunité. Donc c'est l'occasion maintenant de partir à l'étranger et m'ouvrir internationalement. Pour mon deuxième semestre, je pars à East Central University, c'est aux États-Unis, dans l'Oklahoma. Partir à l'étranger, ça fait forcément un peu peur, mais c'est aussi excitant, c'est un petit défi, donc on va voir ce que ça donne. Alors c'est une formation, comme son nom l'indique, en management. Vous avez par exemple donc du marketing, vous avez du commerce international, vous avez également du management, vous avez de la comptabilité internationale et vous avez, très important, un projet de groupe, un projet de création d'entreprise, donc d'entrepreneuriat, qui est mené tout au long du semestre et dans lequel on va mixer volontairement étudiants français et étudiants étrangers. I choose to come to this program in Limoges because as I'm studying an engineer, my career doesn't offer these courses such as marketing, management and all that. So I think that it can improve my knowledge in my future. Au-delà des compétences académiques, l'intérêt premier pour ces étudiants, ce sont vraiment des compétences, on va dire, ça va être du savoir-être qui leur sera très utile dans leur vie professionnelle, dans leur vie future. Travailler en équipe, se confronter à d'autres cultures, à d'autres façons de voir les choses et affronter justement les difficultés de cette interculturalité, savoir les intégrer ensuite pour mener au mieux un projet personnel. My favorite part about Limoges is even though it's small, it feels more like home to compared to Ada, where I'm from, so I can get around and go shopping. It's really close. As far as the school here in Limoges, I'm grateful for it because of the friends I've met. It's a small class, and so you get to know each other personally and enjoy each other that way. Dans le programme, pour l'instant, ce qui me plaît le plus, c'est vraiment l'échange interculturel avec tous les personnes qui viennent de différents pays. C'est vraiment très enrichissant. On essaie d'intégrer les étrangers au maximum dans tout ce qu'on peut faire. Et là, la semaine prochaine, du coup, on part tous ensemble en voyage à Amsterdam. On a organisé le voyage tous ensemble, ça s'est fait comme ça. Et puis pour leur faire visiter l'Europe et pour que nous aussi on puisse passer un bon moment tous ensemble. Pour l'Université de Limoges, l'intérêt premier, c'est d'accueillir des étudiants étrangers, de montrer son ouverture internationale. Et ça permet également de faciliter la mobilité sortante de nos étudiants par le biais du développement de partenariats avec l'ensemble d'universités situées sur tous les continents.